J'ai reçu la box Blissim de septembre. On y va, on regarde ce qu'il y a dedans. C'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler de la box Blissim. Je sais que vous aimez ces vidéos, que je vous fasse un petit retour sur les box, etc. Je viens de la recevoir là ce matin dans ma boîte aux lettres. J'étais étonnée de voir qu'elle était dans un tout petit paquet. Donc on va regarder ensemble ce qu'elle contient. Ah, je vois qu'il y a le sac. Vous avez suivi mes vidéos Blissim du mois dernier, je vous avais dit que j'étais un peu dépitée parce qu'on n'avait pas eu le sac qui était convenu, le tote bag qui était convenu. Donc je vois que là il s'y trouve, il est ici. Donc c'est le sac qu'on devait recevoir pour l'été mais qu'on n'a pas eu. Donc c'est un très joli tote bag comme ceci, il est vraiment beau. Franchement, ouais, il est vraiment beau. Bon, il est tout simple à l'intérieur, il n'y a pas de poche, rien. Mais il est bien grand et tout, et ça aurait bien servi pour cet été. Mais il me servira hein, pour aller faire des courses, des machins, pour mettre dans la voiture, pour mettre des courses et tout. Ce sera parfait. Sinon tout le reste était en vrac dans le paquet. Donc je vais prendre le petit carnet Back to Beauty et on va regarder un petit peu ce qu'ils nous en disent. Alors édito, on a tout prévu pour que cette rentrée démarre du bon pied. Et c'est très bien parce qu'il arrive le 31 août. Donc elle arrive vraiment à l'avant cette box. Après l'été et sa routine allégée, on replonge avec plaisir dans le make-up et on découvre les dernières pépites beauté de pro. Le soleil fait de la résistance et s'invite chez vous grâce au Maxi Kaba qui ne quittera plus votre bras. On y glisse toutes nos fournitures de rentrée, ordinateur, nouveau rouge à lèvres, crème pour les mains, mini parfum. C'est parti pour prendre une dernière bouffée de soleil énergisante avant de se lancer dans de nouveaux projets. Bon bah écoutez, on va voir ça ensemble. Alors, premier produit que je repioche, c'est celui-ci. Donc je crois que c'est un fard à paupières, oui, c'est un fard à paupières de la marque MAC. C'est la teinte Expresso Matte. Moi je suis pas fan des fards mono, donc je trouve ça dommage, mais bon après il y en a à qui ça peut plaire. Donc c'est un petit fard mono comme ça, voilà. Bon il est joli, hein, je vais pas le swatcher parce que clairement ça je vais le laisser pour vous, parce que moi personnellement les fards mono j'utilise pas, donc ça sert à rien que je swatch. Donc voilà, donc c'est un fard mono de la marque MAC, le prix public est de 19,50€, il fait 1,5 g. Et on nous dit qu'on adore sa couleur intense qui habille et intensifie le regard, on le porte seul ou combiné à d'autres fards, voilà. Oui mais non parce que j'aime pas les fards mono. Bref, ensuite, hop, on tourne la page et on trouve un produit. Donc ensuite on tourne la page et on trouve un produit de la marque Voilà. C'est une crème pour les mains hydratante, 97% d'origine naturelle. Donc qu'est-ce qu'on nous en dit? Le prix public est de 13,90€ pour le format vente qui fait 50 ml, et là on a un 40 ml, donc c'est quasiment le format vente. On nous dit cette crème prend soin de vos mains, été comme hiver, glissez-la sans hésiter dans votre sac à main pour une retouche dans la journée. Elle hydrate et nourrit intensément, elle enveloppe vos mains d'une texture réconfortante et onctueuse et d'un parfum délicat de fleurs d'oranger. Ouh, ça m'intéresse. En plus j'ai fini ma crème pour les mains à la rose là de chez By Terry. Donc pourquoi pas essayer celle-ci. On va tester en direct live. Ouais, elle est très légère, l'odeur de fleurs d'oranger est très 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 léger. J'ai ma petite birdie qui me regarde, elle est couchée dans son panier. Elle est assez grasse par contre. Donc je pense que pour l'hiver ce sera bien. Mais elle pénètre bien. Écoutez, je connais pas la marque Voilà, je connaissais pas du tout cette marque, ni cette crème pour les mains. Mais elle a l'air sympa. Et ça sent bon. Donc ça, on dit oui, c'est plutôt sympa. Ensuite, nous avons ce produit là. C'est la marque, alors je vous le montre rapidement mais ça donne pas beaucoup d'indications. On sait que c'est Winter is Coming. C'est la marque Three Little World et c'est un après-shampoing Winter is Coming. Le prix public c'est 19€ pour 250 ml, là on a 20 ml. Et ils disent bye bye aux cheveux secs grâce à cet après-shampoing australien. Il renforce vos longueurs, dompte les frisottis et facilite le coiffage. Laissez agir 1 à 2 minutes et rincez pour un effet masque capillaire hydratant. Laissez poser 5 à 10 minutes. Bah écoutez, on testera. Il y a une opercule, je ne vais pas l'enlever pour l'instant. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa pour redonner un coup de frais aux cheveux après l'été. Ensuite, on a un produit de la marque Polar. Marque que j'adore, Polar, vous le savez. C'est quoi? L'éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Et c'est un anti-imperfection. Donc ça se présente comme ça. Voilà,
Donc, solution anti-imperfection éclat boréal de chez Polar. Le format vente fait 30 ml et vaut 35,95€. Là, on a une miniature de 5 ml. Votre peau subit les effets de la pollution et du stress. Ce produit va vous sauver. Il lutte contre les imperfections pour une peau parfaite. Résultat visible dès 7 jours. Un actif Polar 30 fois plus concentré en vitamine C aux propriétés hors du commun pour redonner tout son éclat au teint. Appliquez 2 ou 3 gouttes matin et soir sur peau propre et sèche de façon ciblée ou sur l'ensemble du visage. J'utilise seul ou juste avec, avant votre crème de jour. Alors, ça sent quoi? Ça, je vais l'utiliser, c'est sûr. Ça sent bon. Il y a une petite odeur sympa. C'est comme une petite huile. Ouais, ça fait comme une petite huile en fait. Par contre, ça sent très très bon. Donc écoutez, à tester, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Ensuite, nous avons, ah ça c'est trop cool, de la marque Kiehl's, c'est la crème pour les yeux treatment à l'avocat. Donc c'est une mini crème comme ceci, en mini crème qui est un format vente je crois, celui-ci en tout petit comme ça. Donc c'est la crème contour des yeux hydratante à l'avocat, très très bonne crème contour des yeux, très très hydratante. Si vous avez le contour des yeux hyper desséché, je vous conseille ça parce que franchement ça marche très très bien. Le format vente normalement fait 28 grammes, ça fait 7 grammes et je crois qu'ils le vendent aussi sur leur site. Et le format vente fait 46€. Ils disent que ce produit déjà culte à base d'avocat hydrate et nourrit le contour sensible de l'œil. Il atténue les rides et ridules liées à la déshydratation de cette zone fragile. Franchement moi j'ai déjà testé une fois, j'avais adoré, mais c'est vrai que le prix me rebute un peu. Ça n'a pas d'odeur particulière mais franchement cette crème elle est assez grasse donc je vous conseille de la mettre le soir et pas le matin. Mais franchement elle est vraiment vraiment très très bien. Donc ça... je valide. Ensuite, nous avons un petit échantillon de parfum Valentino New Eau de parfum qui se présente comme ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va tester l'odeur. Hein. On va regarder un petit peu ce que ça sent, cette histoire. Hop. Je vais le mettre où? Je vais le mettre sur le carton parce que j'aime pas mettre sur moi si j'aime pas l'odeur. Non, ça sent bon. C'est frais. Ouais, c'est frais, ça sent plutôt bon. Écoutez, je vous mettrai les notes de tête, de cœur, de fond là, comme ça là. Mais ça sent plutôt bon. Donc écoutez, pourquoi pas. C'est bien d'avoir des petits échantillons comme ça, ça permet de tester, il y a des moments, des odeurs et tout, pour voir un petit peu. Et la dernière chose dans ce coffret, c'est une carte cadeau MAC préchargée d'un montant de 15€ à dépenser du 1er septembre au 17 octobre dans votre boutique MAC pour tout achat ou sur MAC.fr, MAC cosmétique à partir de 40€ d'achat. Alors ça, je vous ai dit, je trouve ça... non, je pense que c'est pour tout le monde. Donc c'est un code unique. Je suis en train de regarder un truc. Ah oui, ben ça, je voyais, je trouve ça pas normal. En fait, si vous allez en boutique MAC, vous pouvez dépenser 15€ sans minimum d'achat. Par contre, si vous le faites sur le site, ben vous avez 15€, mais dès 40€ d'achat. Et je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage et je trouve pas ça normal. Parce que tout le monde n'a pas de boutique MAC à proximité. Donc ça devrait être pareil pour tout le monde. C'est. Ouais. Je trouve ça un peu. C'est un peu mesquin, je trouve. Bref, c'est pas grave. C'est une carte cadeau MAC de 15€. De toute façon, moi, je vais pas l'utiliser. Donc je pense que je vous la ferai gagner bientôt sur Instagram avec le petit pharmac comme ça. Ça vous fera un petit cadeau. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Bah écoutez, c'est pas mal. Si on récapitule, on a le fard à paupières MAC, on a la crème pour les mains, on a l'après-shampoing, on a la petite crème pour les yeux de chez Kiehl's et on a le petit produit comme ça et le petit parfum. Écoutez, moi je suis assez contente. Ouais, la crème pour... ouais, je suis contente. Je trouve que c'est des produits qui font un petit peu... crème pour les mains pour la rentrée, c'est sympa. Le contour des yeux pour réhydrater bien son contour de l'œil à la rentrée, je trouve ça sympa aussi. L'après-shampoing pour redonner un petit peu de beauté aux cheveux, c'est plutôt bien. Puis le petit fard à paupières MAC, c'est toujours bien. Bon, moi j'utilise pas de mono, donc forcément ça aide pas. Mais c'est plutôt pas mal. Donc après, on a plein de trucs. Il y a une édition limitée Team Sport avec Ocean Apart pour celles que ça intéresse. Il y a un concours pour gagner un an de produits Mike Larence. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoutez, c'est tout. Voilà. Sympa, elle est sympa. J'aurais préféré une petite palette de fard un petit peu plus différente plutôt que le fard MAC. Mais bon, le fard MAC, ça plaît beaucoup à certaines, donc c'est le principal. Voilà, j'espère que cette vidéo Box Blissim vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très bientôt.